En attendant la disponibilité des récoltes burkinabées, le Japon offre 7000 tonnes de riz à l'État. Le don est chiffré à plus de 2 milliards de nos francs et devrait permettre de soulager les personnes les plus démunies. La remise est intervenue ce 20 mai en présence de Rassmane Zondi et Sébastien Zongo. 7150 tonnes de riz dans les magasins de la Société nationale de gestion de stocks de sécurité alimentaire, SONAGES. C'est un don du peuple japonais pour soutenir celui du Burkina à faire face aux défis alimentaires exacerbés par les crises sanitaires et sécuritaires, avec près de 100 millions d'aides directes aux plus démunis, mais aussi à financer des projets de développement à la base. Une partie de cette aide, notamment plus de 5000 tonnes, sera monétisé, c'est-à-dire sera vendu pour pouvoir permettre d'avoir de l'argent dans les caisses d'État pour le financement de projets de développement au Burkina Faso. Une partie sera donnée aux personnes vulnérables à travers l'action sociale pour permettre d'aider et merci pour ça. Il a été signé lors de la visite de M. le Président au Japon il y a un an et demi. Et normalement, nous convions africain, mais grâce à la visite et à l'entretien entre Son Excellence Monsieur le Président, notre Premier ministre, nous avons agité encore plus. Le geste est un signe d'amitié et de résilience dans la philosophie samouraï, celle de donner une épée de la main et de l'argent de l'autre, selon l'ambassadeur nippon, bientôt en fin de mission au Burkina Faso.